On a vu le niveau 1 de l'obéissance appliquée à Élie, un habitant de Galade, un homme qui a obéi donc à Dieu quand il est parti pour chercher quels sont les battements du cœur de Dieu pour sa nation. Il est parti dans le lieu secret de la présence de Dieu et il est resté là-bas jusqu'à ce que il entend ce que Dieu disait sur son pays. Est-ce que tu sais que Dieu parle sur ton pays, ta famille, tes études, ton travail tous les jours? Quand je dis ça, les gens me regardent. Mais il dit, mais le problème, c'est que Dieu est en train de parler. Mais tu n'as pas de récepteur. Actuellement, Radio Burkina émet. Radio Côte d'Ivoire émet. RFI émet. La voix de l'Amérique émet. Mais pourquoi tu n'entends pas? Tu n'as pas de récepteur. Ils émettent 24 sur 24. Mais Dieu parle sur ta famille 24 sur 24. Sur ta vie 24 sur 24. Toi, tu vas aller prier. Je vais dire comme Samuel, parle. Ton serviteur écoute. Le petit Samuel n'était pas branché sur la même longueur d'onde que Dieu. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. C'est normal. Quand Dieu l'appelle, il pense que c'est son patron qui l'appelle. Quand son patron a compris, c'est Dieu qui l'appelle, il lui a dit, petit, va te coucher. Quand on va te parler, dis simplement, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et sa vie a changé. Si tu n'entends pas ce que Dieu dit sur toi-même, sur ta famille, tu vas faire quoi? On va aller jeûner prier. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On a jeûné prier. Ah bon? Tu as jeûné prier. Toi, tu vas parler à quelqu'un qui est poli. Tu lui parles. Lui, il ne te parle pas. C'est bien? Un homme parle à sa femme. Sa femme ne répond pas. C'est bien? Une femme parle à son mari. Son mari ne répond pas. C'est bien? Si les hommes sont polis, Dieu est poli. Mais si les hommes sont polis, Dieu est poli. Il y a des vérités simples. Vérités simples. Tu ne sors jamais de ma chambre sans avoir entendu Dieu à travers la parole. Quand les gens croient, parce que vous avez mis la voix de Dieu là comme un mystère. Vous croyez que Dieu vient dire, non. Il parle, il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ouvre ma Bible. Je regarde, je lis, je n'entends pas la voix de Dieu. Ici, il n'y a pas la voix de Dieu. Je regarde encore, et puis à un moment donné, paf, la voix de Dieu est là. Et je m'arrête, je prends mon bic, mes feutres, je commence à enregistrer la voix de Dieu. J'enregistre, et j'écris ce qu'il me dit. J'écris ce qu'il me dit. C'est comme ça que mes messages viennent. Mes messages ne viennent pas. Seigneur, que je vais dire aux gens aujourd'hui? Vraiment, hein? Oh, Saint-Esprit, où es-tu? Ah, j'ai pas de message. Toi, tu n'as pas de message. Le Saint-Esprit est en toi. La Bible est devant toi. Les deux éléments principaux, le Saint-Esprit est en toi. La Bible est devant toi. Et toi, tu n'as pas de message. Tu ne sais pas écouter Dieu. Tu ne sais pas écouter Dieu. Ce gros livre, là. Et le grand Saint-Esprit qui est en toi,